Non, on n'ira pas à la convention geek. Dis Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Elle veut pas. Dis Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 23. 23 dans la carte chance. Alors, on y va. 23. Cha-cha-cha. Un concours de danse est organisé en ville et vous êtes bien tenté de participer. Votre Sims doit danser pendant 3 heures dans un lieu public, bar, boîte de nuit. Ah mais non, ça c'est événement. Oh pardon, je vous dis des bêtises. Je comprenais pas. 23. Ça y est, je le vois. Ayant vu l'affichette disant que la mère Michel avait perdu son chat, vous réalisez que le félin qui squatte votre paillasson est le sien. Vous ramenez donc le chat à sa propriétaire qui vous offre une récompense. Ajoutez 150 simflouz à votre foyer via le code money. Wouhou! Alors, on est parti. Je crois que j'avais pas activé. Hop. Voilà. Et money. Alors, il faut calculer. 1195. Non, il manque 100. 1195. Ah! Money. 1195. Voilà, c'est bon. Alors, on va laisser finir sa journée de travail. Entre nous, je préfère avoir affaire à une boîte comme Maxi qui se met à faire des lives, même inutiles, pour garder sa communauté au courant de ce qui se passe, plutôt que de faire comme certains dont je tairai le nom qui ne communiquent jamais, sauf pour la sortie d'un DLC. Oui, c'est sûr. C'est sûr que... Enfin, moi, je trouve qu'on n'a pas à se plaindre, même sans les lives. On a quand même une CM... une CM globale qui communique beaucoup, je trouve, sur Twitter avec la communauté. Donc je trouve que là-dessus, franchement, depuis la sortie des Sims 4, ils sont quand même... Comment dire ? Ils sont quand même bien. C'est-à-dire qu'ils communiquent avec nous, ils écoutent. Après, ce qu'ils entendent, on ne sait pas, mais en tout cas, ils écoutent ce qu'on dit. On peut parler avec eux. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas... Il y a parfois eu des erreurs de communication, je pense, mais il n'y a pas de souci de communication. Je pense qu'ils... Après, ils disent ce qu'ils ont le droit de dire, mais ils parlent quand même avec la communauté, je trouve. Ouais, on est riche. Ouais, 150 simflouz, wouhou ! On va pouvoir en faire des tableaux. Surtout, c'est pas tant les 150 simflouz, c'est savoir qu'on n'a pas perdu d'argent aujourd'hui qui me fait plaisir. Voilà, non, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas de problème là-dessus, ils communiquent. Après, il y a eu, à mon avis, des erreurs de stratégie, à un moment donné. Mais bon, ça arrive, hein, on tombe pas toujours juste. Hein. Et puis, c'est mon avis à moi. Peut-être qu'eux, ils n'ont pas l'impression d'avoir fait d'erreur, mais... Mais non. Oui, voilà, l'erreur... font ce qu'ils peuvent après aussi, hein. Puis je pense qu'ils sont pas non plus libres de tout ce qui... Enfin, c'est une société, quoi. Il y a des contraintes. Oh, j'ai une promo, mon Dieu. Oh, tant d'argent. Oh là 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 là. On va bientôt pouvoir construire une piscine, un jacuzzi, un spa, tout ça. Eh ben, dis donc, c'est la fête. Hein. Le challenge prend une autre tournure. Hein. Ça change du début où on était vraiment dans la dèche, où on a commencé. On a quand même commencé le challenge avec zéro simflouz, quoi. Walou que dalle. Hein. Donc, franchement, on s'en sort bien. On est blindés de thunes, là. On va vite faire des tableaux avant de tomber sur banqueroute. Dépenser vite notre argent. Parce que la banqueroute, ce serait pas terrible. Ah si j'ai fait un évier quand même. Allez, on va lui faire peindre 2-3 tableaux. Au dodo, demain c'est le dernier jour de travail. Et après il faudra... Il faudra que je trouve un autre boulot pour demain matin. Enfin, demain matin il faudra que je... Non, demain matin c'est le dernier jour. Après demain matin il faudra que je trouve un autre travail. On va y arriver. Hop, mettre dans l'inventaire. Nicolas Robert, je ne sais pas qui tu es, mais arrête de m'appeler. Merci. Bon, demain, il faudra appeler Don, hein, quand même, parce que... Par
parce que ça va plus. Le travail. De toute façon, on va pas avoir une deuxième promo, hein, faut pas rêver. Allez. Un deuxième tableau, un pipi. Voilà, nickel. Bon, bah ça commence à rapporter pas mal. Hein. Après, ils ont l'air, si j'ai bien suivi ce que Kate a dit, ils ont l'air de dire qu'ils allaient faire régulièrement maintenant des lives juste pour jouer et papoter avec nous. Alors après, papoter avec nous, je sais pas si vous avez déjà mis les pieds sur un live des Sims, mais il y a un milliard et demi de personnes qui parlent en même temps et pour le papotage... Pour le papotage, c'est quand même un peu compliqué. Hein. Je sais pas comment ils vont faire leur histoire, mais... Moi, souvent, ce que je fais quand il y a un live comme ça, c'est que je le retransmets sur ma chaîne. Comme ça, et on est une petite dizaine à le suivre et à pouvoir discuter en français et entre nous. Parce que... Parce que dans le live de base, c'est quasi impossible, quoi. Ah bah, c'est spécial, hein. C'est... Les messages, ils défilent. T'as même pas le temps de les lire. Alors, y répondre... Et à chaque fois, il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent, plusieurs milliers de personnes qui parlent en même temps. C'est chaud. C'est chaud. D'ailleurs, je ne sais pas comment font les streamers qui ont des milliers d'abonnés et des milliers de vues en même temps pour suivre à la fois leur jeu, le chat... Moi, des fois, avec mes pauvres 240 abonnés, j'ai du mal à suivre ce qui se passe. Je loupe des messages sur le chat alors que, au mieux, on est une vingtaine. J'imagine même pas quand il y en a 500, 600 en même temps. Quoi. C'est, les gens, ça, c'est le talent, ça. Ils ont un don. C'est vite le bordel. En effet, t'as pas le temps d'interagir avec toi. C'est clair. Allez, mets dans l'inventaire. On prend des restes. Et encore un petit tableau. Ah, elle est tendue. Tu nous casses les bonbons, là, à être tendue. Pas le temps d'appeler Don, là. Qu'est-ce que tu peux faire? Tiens, bah, écoute la musique, je sais pas, moi. Allez, blues. Ah bah voilà, non, écoute pas la musique. C'est bon, tu vas bien. Grande toile classique. Je préfère mille fois les laves où il n'y a pas trop de monde. Tu peux parler tranquillement à tout le monde. Ah ouais, bah moi aussi. Hein. Moi aussi, tout à fait. Puis c'est bien plus convivial. Une fois, au tout début où je me suis lancée sur Twitch, j'ai fait un live sur Don't Starve. Et d'un coup... Mais ça faisait pas longtemps que je faisais des lives. Ça faisait peut-être... 15 jours, 3 semaines maximum. Et en fait, il y a une autre chaîne qui diffusait Don't Starve. Ils sont venus en raid chez moi. Et ils ont débarqué à 30. J'étais complètement perdue. Ils étaient 30 d'un coup. Tout le monde parlait. C'était horrible. Enfin, c'était la folie à tel point que je suis morte, en fait. Parce que Don't Starve, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de survie, en fait. Donc quand on meurt, bah, game over, quoi. Et il y avait tellement de monde dans le chat, j'étais tellement perturbée que j'en suis morte. Et là, je me suis dit, mais comment ils font, les gens? Comment ils font? Je sais pas. Je sais pas comment ils font. Ah, et donc, peindre, ça donne du divertissement. Je comprends rien. J'étais persuadée que peindre ne donnait pas de divertissement. Sauf si on avait... Ah, mais elle a peut-être un trait... Bah non, je comprends pas. Je comprends pas. Ah, moi, j'adore Don't Starve. Faudrait que je le relance, là. Je l'ai pas réinstallé depuis que mon PC a planté. Mais je crois que je vais me le remettre, peut-être ce week-end. Enfin, peut-être ce week-end, on se refera un petit Don't Starve, on recommencera à zéro. Pour voir combien de temps je survis. Alors, peut-être samedi matin ou dimanche matin, on se fera un Don't Starve, tiens. Yes. Peut-être dimanche matin, voilà, comme ça. On va essayer de pas mourir. Hop, allez, mettre dans l'inventaire. Non ? Bon, bah, tout à l'heure.
Alors, c'est mon dernier jour de travail. Ouh, je suis en retard en plus. Ah non, c'est bon. Et on va tirer une carte événement. The Long Dark est sympa dans le genre. Par contre, il ne pardonne pas. Je connais pas. J'irai voir, tiens. J'irai jeter un œil. Dis Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 8. 8. J'irai voir, tiens, qu'est-ce que c'est. 8. 5 fruits et légumes par jour. Afin de suivre les recommandations sur l'alimentation, votre Sim décide de faire un potager dans son jardin. Votre Sim doit avoir 5 plants autres que des fleurs dans son jardin. Ou pour ceux vivant dans des appartements, des pots contenant des plantes. Eh ben, je les ai. C'est des fraises. Donc, c'est pas des fleurs. C'est ça. Et j'en ai 6. Donc, j'ai réussi mon événement. Donc, on va aller voir qu'est-ce que j'ai gagné. Puisqu'après tout, bon pour la santé. Appréciant votre initiative, un voisin vous propose d'en parler à l'hôpital de la ville. Ceux-ci apprécient beaucoup votre implication dans le bio et vous propose d'expliquer les bienfaits d'une cuisine équilibrée à leurs patients. Le lendemain de la réussite de l'événement, votre Sims obtient automatiquement une offre d'un jour dans la carrière culinaire ou, si vous avez au travail, une offre d'un jour dans la carrière médecin. Eh ben, c'est nickel. Ça veut dire que ce soir en rentrant, je vais directement... Non, alors ça veut dire quoi? Que j'attends le lendemain pour prendre l'offre ou que je prends l'offre ce soir et que je vais travailler demain? Le lendemain de la réussite, votre Sims obtient automatiquement une offre d'un jour. je sais pas. Eh ben écoutez, dans le doute, on va dire que je prends le travail demain et que j'irai travailler après-demain. On va prendre celui qui est le moins avantageux des deux solutions. Donc ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'était mon dernier jour de travail. Donc demain je prendrai l'offre de médecin. C'est bien, ça va changer un peu, on va l'accompagner au boulot. Pour cette fête des récoltes. Aïe 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 aïe, il va y avoir les gnomes. Mais c'est pas grave, ils vont me donner des plantes que je vais pouvoir vendre. Allez, sors du boulot. On va fermer tout ça. Allez. Je sais quelle heure. 17h, ah, putain. Et donc elle, quand elle va au travail, ça la divertit. J'ai un bug ou... Ah, j'ai un trait de terrain, peut-être. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, je m'ai trompée. Je m'ai trompée. T'es par là. J'ai un trait de terrain qui la rend... qu'elle est contente de... Bah non. J'ai pas de trait de terrain. Pourquoi elle est contente d'aller au boulot, elle? Ah, même là, elle fait rien, ça la divertit. Oh, c'est chelou quand même. Ça... Ah oui, t'as peut-être raison. Obtiennent des esprits en site professionnel. Hein. Leur état ne risque pas, risque de se détériorer. De promotion, trait de caractère. Ouais, peut-être ambitieuse, alors je sais pas. Ah, les écouteurs. J'ai des écouteurs. Ah, mais oui, merci. Ah, je lui avais dit de prendre ses écouteurs, mais que... Oh, heureusement que vous suivez, hein. Heureusement que vous êtes là, les gars, parce que... Merci, Hans. Hansé. Merci pour la réponse. Je comprenais pas pourquoi elle était heureuse de vivre comme ça. Allez, mange un morceau... À prendre une douche et on va continuer la peinture pour continuer à se faire de l'argent dimanche prochain. Allez. Ah ouais, non mais heureusement qu'il y en a qui suivent quand même, parce que moi je suis pas du tout ce que je fais. Bon, écoute, tu vas avoir tes écouteurs tout le temps, hein, je te le dis. Hein. Non, Nicolas Robert, je sais pas où tu veux m'emmener, mais on n'ira pas.
Allez. Oh, la vie est quand même vachement plus facile avec un chez-soi. Hein. Rien que le lit et la douche, ça change la vie, quoi. Avant, pour pouvoir récupérer la nuit, il me fallait des heures et des heures de sommeil. Là, juste avec quelques heures, elle dort tranquille. On va virer les notifs. Hop. Allez, Penny. Hop, à mettre dans l'inventaire. On continue. J'essaye de dépenser tout mon argent le plus possible parce que dans les cartes chance, il y a une carte qui s'appelle banqueroute. Et si on tombe dessus, on se retrouve de nouveau à zéro simflouz. Alors je me dis que si j'ai plein de tableaux dans mon sac, parce que là par exemple, déjà j'en ai pour 2315 simflouz de tableaux pour dimanche. Ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que dimanche, je vais avoir plein de sous. Donc, allez, Zou. On va encore en faire un... Ah, j'ai pas démissionné. Ah, mais c'est demain matin. Demain matin, je changerai de travail. Mettre dans l'inventaire. Sur le classique. Qu'est-ce qu'on fait? Non, allez, va dormir. Faut être en forme pour demain. Avoir une petite promo de médecin. C'est bien, ça va changer un petit peu. Oh, il y a des choses à récolter là-bas. Récolte, tout récolter. Tout récolter, tout récolter. Allez hop. Ça fera toujours un petit peu de sous. Dans 2 heures, on changera de boulot. Et puis voilà. Il faudrait que tu tires le 7 dans chance. Ah, je suis jamais tombée sur le 7 encore, hein, je te dis. Par contre, vu ma malchance depuis le début de ce challenge, il y a quand même beaucoup de... Il y a quand même une grande possibilité que je finisse par tomber sur banqueroute. Hein, donc, banqueroute ou alors faites un bébé. Voilà, comme ça je me retrouve avec des triplés et on n'en parle plus. Histoire de finir de m'achever. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, faites des récoltes. Ah oh, les gnomes. Oh my god. Ah puis un gnome en forme de... Oh. Bon. Alors, soyons... calmez le gnome. De la tarte. On va essayer de les calmer. C'est bon. Oh, il est content, c'est bien. Calmer le gnome. Donner de la salade. Un gnome faucheuse, je suis pas sûre que... Pas sûre que ce soit une bonne idée quand même. Ah bah si, il est gentil. Calmer le gnome. Alors, un faucheuse, un fantôme. Je crois que le jeu essaye de me faire passer un message. Va-t-on finir ce challenge prématurément? Alors? Est-ce qu'il le prend? Aïe, 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 aïe. Bon ben, on va croiser les doigts. La dernière fois que j'ai imploré pardon, je me suis fait foudroyer. Oh, dimanche! Oh, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. Elle est pas morte, elle est pas morte. Non, bah laisse-le celui-là, on verra plus tard. Hein, on va attendre que de plus avoir le moodlet, on réessayera après. Ouais, une mini faucheuse. Moi et ma chance éternelle, il m'arriverait que des merdes. Ah, je te rassure, il ne m'arrive que des merdes. Il va y avoir des gnomes flippants, oui, voilà. Et bim, foudroyé, voilà. On est mal. Du coup, j'ai loupé. On va chercher un travail, déjà. Trouver un emploi. Donc, on a dit qu'on était médecin. Qu'on allait aller récolter les murs.
Non, pas les murs d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Les fleurs de machin là. Médecin. Oui. Commence vendredi à 7h. Et ben ça m'aurait pas étonné. Récolter champignons. Qu'est-ce que c'est ça? Plante saisonnière, ok. On va ramasser ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je dois faire là, tiens? Décorer, non, on va pas décorer. Grand repas. Bon, ben on va appeler Don. On va le remercier d'être toujours là pour nous remonter le moral. Et puis on va lui faire un grand repas. Voilà. Préparer un grand repas. Un grand repas pas cher, t'as ça? Avec de la dinde. Qu'est-ce que c'est ça? Non, je discute pas avec Romain, non. Ah, faut que je déverrouille la porte, sinon il pourra pas rentrer pour manger. Autoriser l'accès à... Non. Débloquer. Il a pas dit qu'il arrivait, là? On va le rappeler. Bah, il est où? Il m'attend dans le buisson, déjà? Non. En mal d'amour. Oh, bah voilà, bouge pas, donne... Ah bah le voilà! S'est arrêté en route pour faire son petit footing. Je peux pas lui demander d'aller calmer le gnome? Vas-y, rentre. On pourrait faire connaissance quand même un petit peu, se connaître un peu mieux que juste... Attends, je prépare la dinde. T'en vas pas, hein? Ah. Oh la vache. Font flipper quand même, hein. Font flipper. Allez. Attends, la dinde... En fait, tu la tues toi-même, tu la plumes, tu... Non mais mange pas, va chercher Don. Il est con celle-là. Oh là là, je vous jure. Annoncer le grand repas. Ah ouais, c'est comme ça que tu dis bonjour, toi. Viens, faisons connaissance. Direct. Encore Don. Mais oui, mais en fait, Don, je m'en sers parce que là, j'ai besoin de quelqu'un pour exprimer ma gratitude. Et comme c'est la... Regarde, c'est la seule personne qu'elle connaisse à peu près, quoi. Regarde, elle a pas d'amis. Donc, écoute, puisque c'est Don, hein. Vas-y, exprime-lui ta gratitude. Chanter, plus de choix. On sait où, merci, être reconnaissante. Voilà. Allez, viens manger. Voilà. Allez, ramasser les graines. Et on va mettre la dinde au frais parce qu'on va pas jeter de la bouffe. Hein. Prix que ça m'a coûté. Vas-y, fais-lui la conversation. Apprécier la compagnie. Ah, ce qui est fait. Médical. J'avais pas fait être reconnaissante après. Ah, voilà. Ooh, you're mal. Allez. Ouais, youpi. Alors ça c'est bon, grand repas. Ok. Voilà, super. Oh, j'ai oublié, on a laissé passer 10 heures. Donc, comme hier c'était les fruits et les légumes. 10 Siri. Donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 22. Donc, 22 dans la chance. Alors, 22 chance. Alors, c'est l'anniversaire de votre grand-mère. C'est souvent l'anniversaire de ma grand-mère, je trouve.
Et votre mère insiste pour lui faire un beau cadeau, même si cela doit faire mal à vos économies. Déduisez 750 simflous de votre foyer. Alors attendez, parce que là, si vous voulez, on est quand même... C'est le matin, je suis un peu fatiguée. Dis Siri, combien font 976 moins 750? 976 moins 750 font 226. Ah bah voilà, j'étais blindée de fric, plus rien. Hop, magnifique. Magnifique, j'espère que ça paye bien médecin demain parce que... Et je vais pouvoir vendre les graines dimanche. Je peux pas essayer de te convaincre d'aller calmer le gnome? Comment ça se passe? Non, je peux pas, hein. C'est dommage. Non, il ne paie pas. La vache, c'est des sacrés cadeaux. Ah ouais, 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 mais en plus, c'est pas la première fois que je lui fais 750 boules de cadeaux, tu vois. Donc, j'espère qu'elle apprécie, mamie, là, parce que... Parce que moi, ça me plombe un peu le budget, cette histoire. Hop, on va ramasser les graines. On les ouvrira après, ça sert à rien qu'on les plante. De toute façon, on va les vendre. Hop. On t'a fini là, le grand repas? Elle's a nipsedo. Ah, t'as pas fini de bouffer, mais arrête de parler là, mange. Bon. Ooh, you mal. C'est bon, t'as fini? Ouais, magnifique. Allez, on y va. Implorer le pardon. On croise les doigts, on y croit fort. Ne me tue pas, s'il te plaît, petit gnome, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci, petit gnome. Tu es gentil. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as foutu le bordel, là, petit gnome? Yumbala, Vobi Roshba. Je sais pas, mais hop, dans l'inventaire, et hop, dans l'inventaire. On va ranger un petit peu. On va essuyer. Ah, j'ai pas de poubelle. C'est ballot. On va acheter une poubelle quand même. C'est un vrai moi, j'oublie toujours les poubelles. Hein. C'est pour ça que je peux pas jeter mes ordures. Poubelle. Il me faut une poubelle d'extérieur. Ah putain, ça va vraiment me plomber. Peut-être acheter ça là, non? Moins cher. Voilà, nickel. C'est vilain, mais au moins... Allez. Oula, merci Gangstar. Gangstar. On va s'arrêter là. Ça sera plus facile pour moi. Il y aura un bel héritage, tu parles. Hey, coucou Alexandre. Oui, bah écoute, ce matin j'étais réveillée, je ne peux streamer que ce matin, donc j'ai décidé voilà, de me lancer à 9h30, parce que cet après-midi je vais très certainement aller faire un petit tour du côté de chez Mickey, voir un petit peu les soldes et tout ça. Donc du coup j'avais que ce matin pour streamer, j'étais un petit peu au calme, je peux pas faire ce soir. Du coup, voilà pourquoi j'ai commencé un petit peu tôt aujourd'hui. Et j'ai encore tué personne. Peut-être fière de moi.